Dad's gone and you're looking down the sights. Your heart is worn and the seams are torn, and they've given you a reason to fight. And you're not gonna take what they've got to give, and you're not gonna let them take your will to live, because they've taken enough and you've given them all you can give, and luck won't save them tonight. They're giving you a reason to fight. Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour le test de Uncharted Golden Abyss sur PS Vita. Donc on commence par une petite cinématique, on est dans le chapitre 4 si je ne me trompe pas. Donc voilà. Donc je joue en direct, donc je vais pas faire des choses magnifiques. C'est possible que je meure parce que je crois que j'ai mis en difficile et que là je vais jouer en parlant. Voilà. Alors, donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un jeu d'aventure, un peu du style ouais, l'aventurier, un peu Indiana Jones, de loin, mais bon, pour vous montrer un peu. Donc voilà, donc là j'ai été capturé par le méchant et je tente de m'évader donc de cette espèce de prison. Je n'ai pas le droit de tirer en fait, qui rend le jeu très difficile, et il faut pas que je me fasse voir parce que sinon ces idiots vont tirer. Voilà, t'es intelligent toi, et comme c'est des produits chimiques ça fait tout péter. Voilà, donc là on voit les QTE. Commence bien. Donc je vais surtout vous parler du jeu. Donc au niveau graphisme, comme on peut le voir, c'est magnifique. C'est pour moi le plus beau jeu de la PS Vita, comme je vous l'ai dit dans le test de Wipeout. Vraiment, enfin, Killzone, je pense que Killzone va l'égaler, mais pour l'instant c'est le plus beau, c'est-à-dire que c'est impressionnant. Alors, voilà, donc graphiquement, n'hésitez pas du tout, il est magnifique. Comment je pourrais les avoir? Allez, on va y aller à la Schwartz. Voilà, un bon petit cassage de couilles. J'aime casser des coups, sans mauvais jeu de mots. Ils ont pas le magnum. Parce que le magnum est un pistolet archi puissant. Et j'essaie de l'avoir parce que là, ça me serait bien utile. Allez. Yeah. Alors je vais vous mettre un peu le son du jeu pour vous montrer que la bande son est exceptionnelle, comme le jeu. Je vais vous présenter Chase, donc c'est ma pote dans l'aventure. Kiku, dis bonjour monsieur. Voilà. Donc niveau graphisme, c'est magnifique. Niveau durée de vie, pour faire l'aventure en normal, facile, il faut 10 heures. Si vous voulez tout faire, il vous faudra minimum le double, mais vraiment minimum. Voilà, il y a des petits trésors cachés. Je vais, comme vous l'avez vu donc dans la petite introduction,
D'ailleurs, j'espère qu'elle vous aura plu avec les petites. J'ai essayé de faire un petit diaporama assez sympa avec quelques screenshots parce que vous verrez les graphismes exactement comme ils sont. Il a pris cher. Voilà, donc un jeu avec de l'action, c'est pas un jeu où on s'ennuie. La bande son est exceptionnelle, les voix françaises comme anglaises sont super. Voilà, on a vraiment l'impression d'être dans un film quand on fait le jeu. Il y a pas mal d'armes pour ceux qui aiment bien les jeux de guerre. Il y a beaucoup d'exploration, le jeu est très long, il y a beaucoup de types de gameplay différents. Donc là voilà, vous allez voir la principale chose que l'on fait, c'est progresser dans le niveau de cette façon, donc on grimpe un peu partout. Voilà, donc là c'est un puzzle, je vais essayer de le faire assez vite, parce que je sais que c'est pas forcément passionnant à regarder. Donc il est pas là, si. Hop là, bon, j'ai la chance, hein. Ça vient pile là où il faut. Bon. Désolé s'il y a mes doigts en plein milieu de l'écran. Je suis un peu obligé. Désolé, j'avoue que je suis pas super fort à ce type de casse-tête. Ah, c'est Guerou. Voilà, donc pour vous parler un peu du scénario, donc en gros on est Nathan Drake, donc le héros des Uncharted. Donc en gros on est sollicité par un ami, je suppose, qui s'appelle Dante. Donc voilà, donc au fur et à mesure du jeu on se rend compte que c'est un peu un escroc quand même, notre pote, qui a des choses louches. Donc voilà, on se fait attaquer donc par ce fameux Guerou et on comprend en fait que Dante a un mystère avec lui, que c'est pas très très net on va dire. Donc là on rencontre Chase, donc l'héroïne, et après en gros l'architecte, elle suit les traces de son grand-père donc qui a disparu, et il était donc sur, il faisait donc des fouilles à cet endroit. Donc elle a engagé Dante et du coup ils se rencontrent. Comme Dante est un peu bizarre on va dire et commence à être dangereux, il le lâche et donc voilà. Et donc ils continuent leur route ensemble. Donc là ils essayent de s'évacuer de la planque de Guerou. J'aimerais bien aller jusqu'à l'endroit où il y a un combat de. Voilà, alors je vais attendre qu'il passe. Combat de sniper que vous pouvez voir dans le gaming live sur jeuxvideo.com. Donc en gros pour résumer, au niveau du scénario le jeu lui met un 20 parce que il est très très bien, il nous fait bien, on s'ennuie pas. Graphisme je lui mets largement 20. Au niveau graphisme, donc oui, c'est encore une fois c'est le plus beau jeu, donc c'est vraiment un grand atout. À part les QTE qui sont un peu ennuyeux, c'est à dire que le boss de fin, je vais vous spoiler un peu, mais à la fois si jamais vous voulez pas l'entendre, coupez directement, je vais pas vous spoiler qui c'est, je vais pas vous spoiler ce genre de choses, mais le boss de fin se fait que en QTE et c'est vraiment décevant parce qu'on aurait pu faire un truc vraiment super et au final ça gâche un peu tout. Excusez-moi, ça c'est un passage avec le gyroscope. Dès qu'on traverse un pont ou quoi, minimum une fois sur deux, on tombe sur ce petit type de truc. On a des cinématiques très régulières qui sont très bien. Donc voilà, donc honnêtement, le jeu je le mets 20 sur 20. Il n'y a pas de mode multijoueur. J'avoue qu'ils auraient pu faire un mode coopération avec Chase. Ça aurait été le top du top. Donc voilà, donc j'espère que ce test vous aura plu, qu'il vous aura un peu aidé si jamais vous étiez sur le jeu. Et je vais vous dire au revoir.
Et à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux tests. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne. Et on se retrouve très bientôt. Salut!